Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre lecture sur ces 15 prochains jours à venir. On va voir un petit peu ce que tu dois entendre. J'ai utilisé les breloques, les cartes pour te transmettre des messages. La lecture, c'est du général néanmoins, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc j'appelle à votre bon discernement lorsque vous l'écoutez. Et j'appelle également à votre part de responsabilité également. Le signe va en signe solaire ascendant, lunaire également Vénus, puisque je transmets certains messages dans le domaine sentimental. Et n'hésitez pas en tout cas à aller écouter tous vos signes de votre thème astral pour condenser les informations et en faire quelque chose de plus personnalisé. Bonne écoute à vous, les amis. Allez, quel est le message à transmettre aux Sagittaires? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre, mes Sagittaires? J'ai l'écureuil qui est tombé. Alors, j'ai la lettre J. Alors, j'ai l'impression qu'après une période d'enfermement au niveau émotionnel, vous êtes passé par ces phases-là pour moi. Vous étiez un petit peu fermé. Vous avez eu du mal à vous reconnecter à vos émotions. Vous les passez un peu en sourdine, hein, vos émotions ici pour certains d'entre vous. Ça peut être pour certains une longue période tout de même par laquelle vous êtes passé. Sauf que là, par contre, je ressens aller vers votre plein pouvoir. Parce qu'on a le magicien qui, lui, est à l'endroit. Donc, vous allez prendre un nouveau départ pour moi, parce qu'on le retrouve ici. C'est comme si vous allez devoir prendre tout votre potentiel, toute votre force, tout votre courage d'y aller et de vous lancer. Vous avez de super bonnes idées, franchement. Mettez-les en place parce que vous avez tout le potentiel de le faire. Alors, même si vous étiez passé par une phase où vous doutez de vous, vous étiez un peu confus, incertain, vous avez peur, il y avait beaucoup de peur aussi hein, pour d'autres. Mais honnêtement, c'est parce que c'est comme si vous avez longtemps renié vos parts de lumière en vous, hein, quelque part, et vous les mettez un peu comme ça, vous les mettez de côté, vous les repoussez à plus tard, à plus tard, à plus tard. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est le bon moment. Le bon moment de déployer ces magnifiques ailes et de prendre une envolée pour moi. C'est vraiment, pour certains, prendre un nouveau départ, mais c'est parce que vous vous donnez ce courage d'y aller, vous vous donnez cette force d'y aller, vous vous donnez cette opportunité d'y aller. Donc, il faut vraiment aller écouter votre force à l'intérieur de vous, ne pas vous laisser ici malmener par votre peur, comme si vous vous sentez dépassé ou incapable, alors que pas du tout. Moi, franchement, j'ai des personnes qui ont un énorme potentiel qui est magnifique. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller vers cette voie-là, parce que vous avez vraiment des idées incroyables, lumineuses, et vous êtes vraiment capable de vous surpasser, voire de vous dépasser. Je pense que pour certains, vous pensiez même pas capable de tout ça, en fait, voyez, mais vous l'êtes. Et c'est magnifique, parce que franchement, je pense que soit vous allez écouter, je vous inciterai pourquoi pas aussi à écouter souvent un même audio avec les mêmes affirmations positives qui fait que vous allez devoir vous reprogrammer. Mais franchement, faites-le parce qu'on vous dit, hein, vous êtes toujours plus brave que vous ne le croyez, vous êtes plus fort que vous ne le voyez, vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez, vous êtes plus aimé que vous ne le savez. Vous voyez, ce sont aussi des affirmations que peut-être il faudra aller chercher pour pouvoir reprogrammer comme ça ici un subconscient, remettre de la clarté dans des idées pour pouvoir mieux vous structurer aussi des émotions qui, comme ça, vous n'allez pas vous laisser piloter par des émotions négatives ou par des émotions de peur, hein, un sentiment de peur ici. Donc, on voit bien que vous êtes en train d'avancer tout doucement vers la guérison, mais c'est en très, très, très bonne voie. Moi, franchement, j'ai des personnes qui, ça y est, vous avez retrouvé la motivation, l'envie d'y aller, la niaque, ça fait plaisir. Trop bien. J'ai la lettre J. Alors, je ne sais pas ce que vous l'avez dans le prénom, dans le nom de famille, ou est-ce que ça sera plutôt un jeudi où vous dites, allez, vas-y, j'y vais, j'y go, je m'en fous, qu'est-ce que j'ai à y perdre de toute façon, voilà. Mais en tout cas, franchement, vous allez vraiment déployer ces magnifiques ailes. Et en plus, vous êtes à la fois guidé, mais vous êtes protégé aussi. C'est beau. Alors, on peut me parler d'un jeune homme.
Ça peut être un enfant pour certains, ça peut être un adolescent ou un jeune adulte aussi, qui peut ressortir dans le tirage, qui justement n'arrive pas à être adulte, hein, pour certains en tout cas d'entre eux. Il y aurait des périodes par lesquelles on a du mal à l'être, voilà. C'est comme s'il y avait un suivi médical ou un suivi de quelque chose dont on a du mal à le perpétuer ou à rester régulier. Donc, fais attention à ça. Pour moi, il y a du déplacement vers le médecin. Pour certains, il va y avoir ici des analyses pour d'autres. Mais on vous dit tout ira bien. Si vous attendez des analyses de médecin, vous allez devoir en tout cas ici voilà, consulter, etc. Tout est bon, hein. Tout est bon. Même si vous êtes un peu triste, même si voilà, peut-être que parfois vous avez un petit peu peur que, de ce qu'on vous annonce. Moi, pour moi, ça a l'air d'être positif ici. Mais ça peut concerner des jeunes personnes, hein, de ce que j'ai vu tout à l'heure. On a un signe du scorpion. Alors, est-ce que vous avez également du scorpion dans votre thème astral? Ça peut être possible. Oui, parce que là, on avait le roi de coupe tout à l'heure. Bon, après, on avait la lune aussi qui était signe du poisson. Et là, le lion également. Et là, j'ai le scorpion. Alors, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui se prépare à un départ, mais peut-être que vous ne l'annoncez pas à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas vous l'annoncer et prépare ce départ un peu en soum-soum ou un peu en discret. Mais on vous dit parce que c'est bien comme ça. C'est mieux ou c'est mieux comme ça pour certains d'entre vous. Ça peut être possible que ce soit le cas. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent entreprendre certaines choses, mais qui ne le partagent pas ou ne le font pas savoir. C'est leur plus grand désir ici, soit de dépasser quelque chose ou d'aller entreprendre quelque chose. Et alors surtout si on n'est pas forcément en accord avec vous ou on n'est pas en accord avec cette personne, c'est pour ça qu'elle le cache. Mais en tout cas, attendez-vous à ici un départ pour certains. Alors ça peut concerner honnêtement plusieurs. Plusieurs situations, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec un conjoint, ça peut être au niveau aspect sentimental, ça peut être aussi familial. Hein. Voilà, là j'ai vraiment pas de domaine précis. On vous dit juste que faudra laisser peut-être partir cette personne pour son bien-être, pour son propre épanouissement, il faut le laisser. Voilà. Ou alors c'est vous pour votre propre épanouissement, il faut le faire. Voilà. Il y a peut-être un effet miroir, il y a peut-être aussi une perception sûrement à changer ou à modifier par rapport à cette situation. Donc il faudra composer avec en tout cas. Alors, pour certaines personnes qui sont en relation à distance, il y a pu y avoir ici, à un moment donné, un petit peu un repli ou un froid qui a pu s'installer entre vous au niveau de la communication. Mais on vous dit que c'est plus ou moins en bonne voie parce que c'est comme si vous allez soit comprendre que vous êtes suffisamment assez, que de toute façon vous n'avez pas besoin qu'on vous rassure. Soit la personne de toute façon n'était pas ce qui ou alors elle n'était pas dans une mauvaise passe dans une bonne passe pardon excusez-moi elle était dans une mauvaise passe je voulais dire et que la relation ne pouvait pas se faire à l'heure actuelle ou à ce moment-là en tout cas et c'est pour ça qu'il y a eu ici, en tout cas, de la distance émotionnelle et qui s'est installée entre vous. Moi, je vois quelqu'un qui va, il peut de nouveau retenter quelque chose. Hein. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas que ce soit ici dans ce que j'ai. Et ça fera plaisir de toute façon. Alors, c'est cette personne qui va avoir plaisir à avoir de vos nouvelles. Voilà. De toute façon, les énergies sont tout à fait interchangeables, hein, bien sûr. Il y avait quand même une estime de soi-même à travailler. Ça, oui. Et je pense qu'un de vous deux était dans une mauvaise passe à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a eu l'éloignement émotionnel. Mais là, on va devoir tenter quelque chose ici, au niveau d'une opportunité. Et attendez-vous peut-être pour certains à de la communication ou à des échanges.
Oui, d'autant plus que ce sera valable si la relation vous semble elle est inachevée. Mais c'est comme s'il va y avoir de nouveau de la légèreté retrouvée malgré tout, malgré cette situation qui va vous amener de toute façon à essayer de vous repositionner. Et vous allez choisir de toute façon d'être plus fort, quoi qu'il arrive, et de garder le sourire, quoi qu'il arrive. Donc que cette personne revienne ou revienne pas, on vous le dit, hein, vous êtes suffisamment assez hein, pour pouvoir en réalité vous reconstruire et continuer votre vie, vous aimez suffisamment en fait. Donc voilà, que ce soit vous ou la personne en face, voilà. Mais on retrouve de la légèreté tout de même. On retrouve de la légèreté après une période un peu compliquée, un peu difficile pour certains d'entre vous. Mais vous choisissez la force. Il faut choisir la force de toute façon. On dit que la force, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il faut aller vers cette force-là, de vous repositionner et de vous choisir aussi, peut-être pour certains d'entre vous. On voit bien que c'est une relation qui est inachevée, hein. C'est les plus compliqués à gérer, je trouve. C'est les plus douloureuses et les plus compliquées, ouais. Bon, alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a avec les cartes. Allez, pour les Sagittaires, pour les 15 prochains jours, ce qu'ils doivent entendre. Qu'est-ce que vous devez entendre ici? Vous voyez, le bonheur. Alors, on va mettre l'axe sur les 15 prochains jours, sur votre bien-être, sur votre bonheur, sur ce qui vous fait plaisir. Il va y avoir ici des décisions, des choses à trancher. Peut-être par rapport à une activité professionnelle pour certains. Ça peut être tout à fait le cas, d'accord? Vraiment. Peut-être que pour certaines personnes, ils vont prendre leur courage à deux mains de se lancer à leur compte. Ça peut être le cas, hein? Ok? En tout cas, vous allez vous épanouir davantage dans votre professionnel. Il y a de la légèreté retrouvée. La notion d'envol, comme tout à l'heure, qu'on avait au tout départ. Oh, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est non pour d'autres. Bah, vous allez continuer votre chemin à être heureux, malgré peut-être qu'il y a des situations un peu complexes. Pour d'autres, même si vous êtes dans des procédures juridiques, peut-être qui traînent un peu en long et en large, mais néanmoins, vous êtes, rien va vous décrocher de votre bien-être, en fait. Voyez. Vous êtes néanmoins apaisé. Je pense que c'est parce que vous avez compris que vous avez un certain cheminement à faire et des choses que vous avez sûrement intégrées en vous. C'est cool. Attendez-vous ici un événement excitant. Ouais, on parle de carrière, hein. Là, ça revient. Waouh, il va y avoir ici un vœu qui va s'exaucer par rapport à la carrière. Ouais, bah, vous voyez, on avait ce magicien, vous avez de bonnes idées, franchement. N'ayez pas peur de vous déployer parce que vous avez une capacité franchement incroyable, vous avez des talents, faut vraiment pas les minimiser, faut croire en vous parce que là franchement vous allez vraiment vers une voie professionnelle, ça y est, qui vous convienne. Et il y a des personnes qui ont réussi professionnellement. Et s'il y a des personnes autour de vous à qui ça ne convient pas, et bien tant pis pour eux. Tant pis pour eux, on s'en fout, on s'en fiche. Mais là en tout cas, vous avez vraiment une belle voie devant vous. Alors, surtout si vous avez, soit vous devez changer de carrière, soit vous devez changer, vous réorienter, soit vous démarrez aussi quelque chose, ça peut être possible, voilà. En tout cas, très très gros succès au niveau de la côté aspect professionnel pour vous, mes amis. C'est cool. Alors, par contre, dans l'aspect peut-être famille, on vous dit que vous avez quelqu'un à vos côtés qui entrave ce que vous voulez, qui vous barre la route par rapport à ce que vous souhaitez. Du coup, on vous dit attention à votre santé. Alors, ça peut être aussi une dépression, ça peut être aussi des problématiques ou des choses comme ça, faut faire attention. Alors, ça me rappelle tout à l'heure le fait de consulter le médecin. Alors, je ne sais plus. Ouais, il était là. On parlait plutôt d'un jeune homme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici sur lequel on est un petit peu en désaccord et ça concerne une question de famille? On vous dit attention en tout cas à votre santé. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu plus âgé avec des problématiques de santé. Bon, moi, j'avais plutôt quelqu'un de jeune hein, ici. C'est comme s'il y avait quelque chose. Ah bon, après, quand ça concerne la santé, ça c'est autre chose. Mais ça peut être aussi. Un mal-être, vous voyez, c'est un mal-être aussi qui peut être là, parce que vous avez peut-être certains membres de votre famille qui vous empêchent d'accéder vers votre bonheur, vers votre réussite, vers votre belle réalisation. Ça peut être un compagnon avec qui vous avez aussi fondé un foyer, enfin voilà, vous l'adaptez honnêtement par rapport à tout ça.
Alors, pour d'autres, on vous dit de faire attention ici à quelqu'un qui peut jaser peut-être par rapport à vous. Ça peut être possible. Alors, elle peut avoir les cheveux clairs, elle peut avoir les cheveux blonds, elle peut avoir les cheveux gris, enfin, poivre et sel. Protégez-vous de cette personne. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette personne. Mais vraiment, protégez-vous parce que ça peut être quelqu'un qui peut jaser sur vous. Ou alors vous êtes vous-même une femme blonde, plutôt châtain, ou alors vraiment claire. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui, malheureusement, bah, vous critiquent beaucoup. Mais on vous dit que vous êtes protégée. De toute façon, je pense que vous allez devoir apprendre à vous protéger de ces mauvaises personnes qui disent des choses déformées par rapport à vous, qui sont vraiment méchantes par rapport à vous. Alors pour certaines personnes, vous allez en tout cas ici, pour moi, au niveau de la richesse, accroître certaines choses. Donc, c'est-à-dire soit vous allez faire de nouveaux achats, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, que vous voulez changer dans votre vie. Et donc, vous allez soit passer de nouvelles alliances, soit vous allez devoir en tout cas ici revoir quelque chose. Mais pour moi, vous allez vraiment augmenter quelque chose ici au niveau de certains achats. Vous allez effectuer de nouveaux achats qui vont vraiment mieux vous convenir. Mais par contre, attention. Par exemple, si c'est une voiture que vous achetez, attention à ce que, au partenariat ou à ce que, avec qui vous l'achetez, parce que ça peut vous amener après derrière un peu des complications. Donc, faire attention à ça. Par contre, ouais, on vous dit, protégez-vous et vous avez besoin de vous défendre vous-même ici. Mais en tout cas, attendez-vous à du changement positif, hein, quoi qu'il arrive, par rapport à la suite. Et on vous dit, revenez aux choses essentielles. Alors, peut-être, faire attention pour certaines personnes. Qui peut-être, je comprends, ils souhaitent acquérir certaines choses parce que vous avez envie vraiment de changer vraiment dans peut-être un intérieur chez vous, des travaux, des choses comme ça, parce que ça ne vous convient pas tel que c'est. Par contre, attention, parce qu'il va y avoir quelque chose qui fait que peut-être ça ne sera pas ce à quoi vous vous attendez en fin de compte. Donc on vous dit préservez-vous, protégez-vous. Il y a du changement pour les meilleurs. Peut-être qu'il faut peut-être attendre un petit peu. Peut-être plutôt sur décembre ou après, peut-être sur 2024, mais en tout cas, franchement, ça se fera par la suite, peut-être pour moi. Mais il y aura ce changement-là. Alors, je pense que c'est juste peut-être pas la bonne période pour vous, pour le faire. Ok, allez, un petit message un petit peu ici, peut-être au niveau sentimental, et je. Ouais, quoique, on est déjà bien. Je vais juste prendre une carte. Alors, dans l'aspect sentimental, on dit que ça vaut la peine d'attendre. Bon, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Quelqu'un de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà, on vous dit que le timing est en train de travailler dans votre vie amoureuse. Moi, je le prendrais dans le côté, ça vaut la peine d'attendre la bonne personne. Voilà, moi je l'interpréterais comme ça, tu vois, d'attendre la bonne personne pour vous. Laissez le divin œuvrer pour vous, en fait, c'est-à-dire vous ramener véritablement la bonne personne dans votre matière, dans votre vie. Ok? Donc on vous dit ça vaut la peine d'attendre plutôt que de vous contenter de miettes ou de relations qui ne vous amèneront jamais quelque chose de bon ou de positif pour vous. Moi, je l'interpréterai comme ça, cette attente-là, voyez. Voilà, les amis, par rapport à cette lecture, j'espère qu'elle vous parlera, j'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis en tout cas. N'hésitez pas à liker pour me soutenir par rapport à l'algorithme YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, ciao, ciao.